Imaginez un endroit où chaque repas est une fête de saveurs et où chaque paysage semble peint par un artiste. Pourquoi tant de gens rêvent de visiter l'Italie ? Parce que ce paradis en Europe du Sud offre un mélange unique d'art, d'histoire, de culture et de beauté naturelle. Située dans le sud de l'Italie, Naples est une ville pleine d'énergie et d'histoire. Capitale de la Campanie, elle est connue pour son riche patrimoine culturel et son ambiance vivante. Naples est célèbre comme le berceau de la pizza, avec des pizzerias locales servant des pizzas napolitaines garnies d'ingrédients frais. En plus de ses délices culinaires, Naples offre des sites historiques, comme la Grande Cathédrale de Naples et le Palais Royal. Le musée archéologique de la ville abrite une des plus importantes collections d'artefacts grecs et romains. Sa proximité avec la côte amalfitaine, Pompéi et la baie de Naples fait de Naples une base idéale pour explorer ces lieux renommés. Nichée dans le nord de l'Italie, la région des lacs italiens est d'une beauté naturelle stupéfiante avec des paysages sereins. Elle abrite plusieurs lacs magnifiques, chacun avec son propre charme. Le lac de Garde, le plus grand, offre des vues de montagnes époustouflantes et des villes charmantes comme Sirmione. Le lac de Côme, entouré de collines luxuriantes et de villas luxueuses, est idéal pour une escapade romantique, avec des villages pittoresques comme Bellagio. Plus à l'ouest, le lac majeur présente de belles îles comme Isola Bella, réputées pour leurs jardins palatiaux. Que vous fassiez du bateau, de la randonnée ou que vous vous détendiez au bord de l'eau, la région des lacs italiens est une échappée tranquille avec un riche patrimoine culturel. La plus grande île de la Méditerranée, la Sicile est un mélange d'histoire, de culture et de beauté naturelle. Cette région autonome de l'Italie est célèbre pour ses influences diverses, des temples grecs de la vallée des temples à l'architecture baroque de Palerme. Le mont Etna, le plus haut volcan actif d'Europe, domine le paysage, offrant des sentiers de randonnée et des vues spectaculaires. Les îles éoliennes, au large de la côte nord de la Sicile, sont un havre d'eau claire, de paysages volcaniques et de villages charmants. La cuisine sicilienne est une fusion délicieuse de saveurs, avec des plats comme les arancini, les cannoli et les fruits de mer frais. Le riche patrimoine et les vues magnifiques de la Sicile en font une destination incontournable. Cinque Terre, signifiant cinq terres, est une région côtière époustouflante en Ligurie, composée de cinq charmants villages, Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Monte Rosso et Corniglia. Ces villages sont nichés parmi des falaises escarpées et des vignobles, chacun offrant des vues spectaculaires sur la mer et des maisons colorées. Le sentier bleu relie les cinq, offrant aux randonneurs des vues inoubliables sur la côte ligurienne. Riomaggiore est connu pour son ambiance romantique et son port vivant, Manarola pour ses vignobles pittoresques et ses couchers de soleil magnifiques. Vernazza se distingue par sa marina pittoresque, Monte Rosso par ses plages de sable et Corniglia offre des vues panoramiques depuis son sommet de falaise. Le charme unique et la beauté naturelle de Cinque Terre en font un véritable bijou italien. Milan, capitale de la mode et des finances de l'Italie, est une ville qui mélange grandeur historique et sophistication moderne. Connue pour sa mode influente, Milan accueille de nombreux créateurs et boutiques de luxe. Les points forts architecturaux incluent le magnifique Duomo di Milano gothique et le château des Sforza. Les amateurs d'art peuvent admirer la scène de Léonard de Vinci au couvent de Santa Maria delle Grazie. La scène culturelle vibrante de Milan comprend aussi son célèbre opéra La Scala et de nombreuses galeries d'art contemporain. Avec son mélange dynamique d'histoire, d'art et de mode, Milan est un délice cosmopolite. S'étendant le long du bord sud de la péninsule de Sorrente en Italie, la côte amalfitaine est connue pour ses falaises spectaculaires, ses eaux turquoises et ses charmants villages côtiers. Positano, avec ses maisons pastel descendant jusqu'aux plages de Galets, est un favori des visiteurs. Amalfi, avec sa cathédrale historique et ses places animées, mélange histoire et charme côtier. Ravello, perché au-dessus de la mer, offre des vues époustouflantes et des jardins paisibles. La côte amalfitaine est aussi un paradis culinaire, connu pour ses fruits de mer frais, ses plats de pâtes et le limoncello local. Que ce soit en voiture, en bateau ou à pied, la côte amalfitaine est un régal visuel et sensoriel. Pompéi, ancienne ville romaine près de Naples, offre un aperçu fascinant de la vie au 1er siècle après Jésus-Christ. Enfouie sous les cendres volcaniques après l'éruption du mont Vésuve en 79 après Jésus-Christ,
Pompéi a été remarquablement bien conservée. Les visiteurs peuvent explorer ces ruines bien préservées, y compris les maisons, boutiques, temples et bains publics. Les points forts incluent le forum, cœur de la vie publique, et l'amphithéâtre, une des plus anciennes arènes romaines. La Villa des Mystères, avec ses fresques détaillées, offre des aperçus de l'art et de la culture romain. Une visite à Pompéi est un voyage dans le temps, offrant une connexion vivante au monde antique. Venise, la ville enchantée construite sur l'eau, est un chef-d'œuvre d'architecture et d'ingénierie. Répartie sur 118 îles reliées par des canaux et des ponts, Venise est célèbre pour ses balades romantiques en gondole et son architecture renaissance. Le cœur de Venise est la Piazza San Marco, avec la basilique Saint-Marc et le palais des Doges impressionnants. Le Grand Canal, la principale voie navigable de la ville, est bordé de magnifiques palais et de monuments comme le pont du Rialto. Le patrimoine artistique de Venise est mis en valeur dans ses musées et lors d'événements comme la Biennale de Venise. Malgré sa popularité, Venise conserve une qualité magique et intemporelle qui captive chaque visiteur. La Toscane, une région renommée pour ses collines ondulantes, ses villes historiques et son excellence culinaire, incarne l'essence de l'Italie. Florence, berceau de la Renaissance, abrite des chefs-d'œuvre artistiques comme le David de Michel-Ange et la vaste collection de la Galerie des Offices. La ville médiévale de Sienne, avec son architecture gothique bien préservée et la célèbre course de chevaux palio, offre un retour dans le temps. La campagne pittoresque de Toscane est parsemée de vignobles, d'oliveraies et de charmantes villes perchées comme San Gimignano et Montepulciano. La région est aussi un paradis gastronomique, connu pour ses vins, comme le Chianti, et des plats comme la Ribollita et la Bistecca alla Fiorentina. La beauté et la culture de la Toscane sont incomparables. Rome, la ville éternelle, est un mélange intemporel d'histoire ancienne et de vie moderne vibrante. Capitale de l'Italie et ancien cœur de l'Empire romain, Rome est une ville d'architecture monumentale et de musées de renommée mondiale. Le Colisée et le Forum romain offrent un aperçu de la grandeur de la Rome antique. La cité du Vatican, avec la basilique Saint-Pierre et la chapelle Sixtine, est le cœur spirituel de l'Église catholique romaine. Les places animées de Rome, comme la Piazza Navona et le Campo dei Fiori, sont remplies de cafés vivants et d'artistes de rue. Des ruines antiques aux quartiers modernes, la riche histoire et la culture dynamique de Rome en font une destination incontournable. Les paysages variés de l'Italie, son histoire riche et sa culture dynamique en font une destination de rêve pour les voyageurs. Des rues animées de Naples à la beauté de la région des lacs italiens et les ruines antiques de Rome, chaque coin de l'Italie promet des moments inoubliables et un charme intemporel. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu intéressant.